Alors, l'œuvre d'André Delvigne, finalement, nous pose la question ou nous propose une réflexion en se disant qu'est-ce qu'une œuvre? Qu'est-ce qu'une œuvre? Qui fait l'œuvre? Qui fait l'œuvre? Bon, parce que là, dans l'assemblage, dans la réalisation, dans ce bureau du boss réalisé par André, en fait, pour lui, ce n'était pas une œuvre, c'était sa mémoire, en fait. Hein? À chaque fois qu'il lui arrive quelque chose d'important, eh bien, il prend un élément et puis il le mettait dans cette valise. Et c'est vrai que moi, allant chez lui de temps en temps, ça m'impressionnait. Alors, tout a trait à sa vie. Alors, regardez, ici, vous avez un film. Alors, je ne sais pas si c'est du 8 ou du Super 8, mais enfin, c'est un des premiers films que son papa a fait sur lui. Et on voit ici le film. Là, c'est une photo de son père. Ça, c'est une équerre quand il était à l'école. Si on va de l'autre côté, on voit les alliances quand il s'était marié. Donc, il s'est marié plusieurs fois. On voit les alliances. On voit aussi un jeu de tarot, par exemple, où il y a son sang dessus parce qu'il a voulu le personnaliser. On voit le dé à coudre de sa grand-mère. Donc, tous les éléments qu'il a mis là-dedans sont signifiants. Évidemment, nous, on n'arrive pas à toute cette lecture. S'il ne nous donne pas des clés, on ne peut pas arriver à lire son œuvre. Mais j'y réfléchis beaucoup et puis je me dis, est-ce que c'est important? Parce qu'au final, quand je vois comment les spectateurs regardent ces œuvres, je crois qu'il y a toujours un moment, des petites choses, des petits coins, une noix. Des médailles. Enfin, je crois qu'à un moment, ça nous touche de près, et puis ça nous touche aussi à ce que nous, on a vécu. Alors, finalement, ça dépasse le vécu d'André, parce que ça rentre dans le mien, dans le nôtre plutôt, et il y a une espèce d'universalité peut-être qui se dégage au travers de ce bureau, de ce bureau du boss. Alors, là, vous voyez les bougies avec la dentelle. Ben, là aussi, ce n'était pas voulu. André avait mis beaucoup de bougies sur le dessus de la caisse. Et c'était en 2015. C'était sous un Velux. Il y avait une chaleur de feu l'été. Et les bougies ont fondu. Alors évidemment, ça apporte beaucoup à ce travail. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'une œuvre? Alors de nouveau, quand on l'a exposé la première fois, j'avais mis une phrase ici, ceci n'est pas une œuvre, c'est ma vie. Ben oui, parce que c'est la première fois qu'on le montrait. André était pour sans être pour montrer cette œuvre. Il m'a laissé faire, il m'a fait confiance, mais ce n'était pas une œuvre pour lui. Mais depuis 2 ans qu'on montre ce travail, mais ben oui, c'est devenu une œuvre parce que finalement, les gens, en la regardant, ben ça leur parle, on nous la demande beaucoup, les gens se sentent touchés. Et ça a dépassé finalement le simple statut d'une mémoire faite par un homme, c'est devenu, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'universel qui nous parle à tous, quoi. Et je crois qu'au travers de... Je ne sais pas comment l'appeler, hein, au travers de cette œuvre, de ce travail. Je crois que quelque part, on s'y retrouve aussi.